Salut le monde est doux, c'est Shiranui et bienvenue dans cette messe annuelle de notre chaîne, je dirais, parce que bon, ça fait X fois qu'on fait justement ce type de vidéo à peu près dans les mêmes périodes, c'est-à-dire en fin d'année. Je parle évidemment de la vidéo review de refonte de l'année qui s'est écoulée, ça fait la troisième fois qu'on l'a fait maintenant. Et donc du coup je peux même dire ce que sur cette chaîne maintenant c'est une tradition, ça y est. Du coup aujourd'hui nous allons parler des refontes qu'il y a eu cette année. Je parle évidemment de Losamodas, de Luginac et du Steamer évidemment. Donc toujours pour vous donner envie de jouer ou non à ces classes pour l'année qui va arriver prochainement. Et sur ce, on va commencer par parler évidemment de la première classe qui a été refondue cette année, de Losamodas. Alors, Losamodas, donc, il s'agit justement de la dernière classe qui était à refondre parmi les 5 classes qui étaient prévues durant la campagne de refonte qui a été annoncée en 2019. Et beaucoup de gens l'attendaient au tournant, cette refonte, parce que effectivement, Losamodas, c'est une classe qui est, comment dire, assez pointilleuse, et les joueurs le sont tout autant. Pourquoi? Parce que pendant tant d'années, Losamodas a reçu des nerfs pour aucune raison, puisqu'en même temps certains comment dire, les invocations de Losamodas en fait étaient beaucoup trop fortes à l'état naturel dans la nature, ce qui justifiait justement que les invocations étaient nerfs, c'était que les invocations, enfin les mobs dont étaient tirées les invocations étaient nerfs aussi. Et bref, c'était assez compliqué à gérer pour les devs d'équilibrer Losamodas avec ses invocations en grosso modo. Et puis surtout, la classe devenait très très vieillissante avec assez peu de mécaniques de dégâts très intéressante, ça tournait un peu autour du pot, même aussi au niveau des maîtrises dont est tiré les invocations, ça se basait sur les maîtrises les plus élevées, donc ça mettait forcément aussi un peu, voilà, de tout le temps du berserk pour jouer les invocations, alors que bon, c'est pas vraiment la vocation du berserk. Tout un tas de trucs en fait. Et même en termes de support, il y avait des trucs intéressants, mais c'était pas non plus la panacée. Et surtout, le gros problème, c'est que en modulé, le côté invocation de Losamodas, il souffrait un peu. Parce que lorsque vous étiez modulé avec Losamodas, forcément, vous ne pouviez pas choisir vous-même vos invocations. En fonction du niveau modulé auquel vous modulez, vous aviez un deck d'invocation prédéfini à l'avance. Vous ne pouviez pas, genre, aller, je sais pas, faire du level 80 avec votre Blairox, en gros. Et en vrai, moi, y en a beaucoup qui en attendaient énormément de cette refonte. Et moi, en fait, j'avoue que je m'en foutais un peu parce que Losamodas, ça n'a jamais été une classe qui m'attirait. Et je ne m'attendais à rien. Et je suis extrêmement surprise et contente, en fait. Parce que vraiment, le nouvel Losamodas, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment quelque chose avec Losamodas qui s'est opéré et qui m'a vraiment poussé à le jouer et à essayer de pousser Losamodas dans tous ses retranchements en termes de gameplay, parce que Losamodas de maintenant peut faire tellement de trucs, c'est juste abusé. Il peut être un excellent, comment dire, support par rapport à avant, puisqu'il peut donner des PA et des dégâts, il peut donner des PM, il peut mettre du shield avec les invocations, il peut soigner, il peut retirer des raises, il peut soigner, ça c'est, j'ai dit encore, mais il peut booster les coups critiques, il peut faire un nombre de choses incalculables aux âmes là, c'est juste abusé. Il peut même aussi booster les chaudés, bon, qui a un peu perdu. Les chaudés, c'est un peu perdu son aura de puissance par rapport à avant, parce que cette année, les chaudés a été un petit peu nerf, on va dire ça comme ça. Mais en soi, c'est déjà sans le côté un peu chaudé qui a baissé, c'est un excellent support qui peut faire extrêmement de choses, et c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer en brèche cette année et je suis pas déçu. Mais à part ça, avec les invocations, c'est aussi un très très bon DPT distance qui peut tirer à profit pleinement de ses invocations, parce que ces invocations font extrêmement beaucoup de dégâts pour certains. Et aussi, il y a un petit côté, avec la branche feu, où ça joue plus distance, ça joue plus avec les invocations, la branche air, où là, voilà, ça va être un petit peu de micro-placement, donc repousser, mettre de dos. Donc en fait, c'est encore une fois une invocation, enfin une...
une classe distance qu'il faut aussi taper dos avec justement le retour du quarterback. Plein de petits outils pour vraiment jouer à distance avec les invocations. Et même si vous n'êtes pas friand d'invocation, vous pouvez même aussi vous la jouer plutôt brutale et brutalité avec mêlée zone avec le mode dragon qui en plus de ça est utilisable et très modulable aussi parce que c'est aussi utilisable avec de la maîtrise monocible, c'est-à-dire que la maîtrise monocible va être convertie en maîtrise zone lorsque vous passez en mode dragon et tous les sorts monocibles de Los Amodas, parce que bon c'est quasiment l'intégralité des sorts de Los Amodas, va passer en zone et va vraiment taper en zone autour en mode brutalité. Et en vrai, j'aime beaucoup cette manière de jouer, même si c'est pas forcément compatible avec, la sublimation brutalité, mais c'est compatible avec d'autres sublimations zone qui est tout aussi intéressante au vu du fonctionnement de ce mode dragon. Et c'est clairement mon mode préféré. Bref, il y a tout ça. Et en plus ça, donc en plus d'être un couteau suisse sur pattes, Los Amodas a le grand avantage, je trouve, d'avoir clé le problème qui faisait qu'en modulé, c'était pas si intéressant que ça. Parce que, en fait, maintenant, votre deck d'invocation ne varie pas si vous passez en modulé. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous taper du modulé 50, taper du, par exemple des mougres, alors que vous avez dans votre deck d'invocation des chouchous de la choucroute, un dragueuf du mont Zénith, enfin ouais, des dingueries comme ça. Et donc vous pouvez composer vraiment à souhait votre deck d'invocation. Et en plus au niveau des invocations, il y a vraiment des invocations qui fait extrêmement le taf, quelle que soit votre manière de jouer, que ça soit le chafer qui vous permet de plus facilement retirer des raids, que ça soit les invocations dégâts comme le dragueuf qui font énormément de dégâts, que ça soit aussi les invocations plutôt soins, comme par exemple la Mulune ou le T-Wire ou plein d'autres comme ça. Bref, il y a vraiment extrêmement de choses à faire avec le Zamodas. Et c'est pas genre en mode il fait plein de trucs, il le fait à moitié, non, il le fait très très bien. Et c'est ça qu'on veut, une classe couteau suisse qui fait extrêmement bien le taf quand on choisit un rôle avec. Et ça, c'est plutôt beau et je suis vraiment content de cette classe. Ah, Louginac, le sujet sensible de la vidéo, le sujet où si j'en dis du mal, il y a tout mon Discord qui va me tomber dessus pour me casser les deux jambes. Et bah vous savez quoi, je vais pas me gêner pour en dire du mal de votre Louginac. Non, en vrai ça va, il est plutôt correct, je vais pas en dire du mal en gros. Mais bon, avant de dire du caca, c'est bien peut-être de reposer un peu les bases de pourquoi Louginac avait besoin d'une refonte, parce que bon, on peut se poser la question. En fait, qu'est-ce qui justifiait que Louginac comme ça ait besoin d'une refonte? Ben c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, mais je trouve que Louginac il avait en fait depuis très longtemps le cul entre deux chaises. Le cul entre le fait d'être un DPT mêlé avec un petit peu de tankiness, un peu comme le Yop, mais le faisait un peu moins bien parce qu'il y avait beaucoup de tankiness et finalement pas assez de puissance par rapport au Yop. Et il essayait un peu d'être un peu comme une SRAM, c'est-à-dire avoir des sorts de vol de vie avec sa branche haut, mais pour ne pas en tirer parti. Des sorts de déplacement dans le dos avec air qui étaient beaucoup moins efficaces. Et des sorts de poison qui sont un peu... Mais surtout qu'en plus de ça, bon bah ses mécaniques, sa mécanique principale, c'est-à-dire Lugigaru, bon, c'était pas vraiment une mécanique très intéressante parce que en fait ça servait pour un tour de beurre sympathique, mais il n'y avait pas vraiment de gameplay autour de Lugigaru. Et surtout, bah ça servait juste à restaurer ses points de wafou. Mais il n'y avait pas de comment dire d'idée de stratégie autour de Lugigaru. Il y avait très peu de passifs qui permettaient d'augmenter, il y avait juste très peu de passifs de base, mais il y avait très peu de passifs qui permettaient d'augmenter un peu la puissance de Louginac, c'était beaucoup des trucs défensifs, et même une mécanique qui était un peu piquée par exemple de l'Ekaflip, c'est-à-dire le Chacha, mais sauf que là c'est le Chien-Chien. Bon, il faisait un petit peu plus de trucs, mais c'était un peu limité aussi, donc c'était un peu dommage. Et il y a même des passifs qui étaient un peu incohérents avec Louginac, notamment le fait d'avoir des maîtrises distance. Quel intérêt d'avoir des maîtrises distance
sur un perso qui se joue purement melee. Enfin bref, c'était un peu le bord, c'était un peu voilà un gloubli-bouga de plein de trucs pas hyper hyper cohérent. Ça en faisait néanmoins un plutôt bon off tank dans le sens où il tankait pas mal et c'était des dégâts plutôt corrects dans l'ensemble. Et c'était donc du coup une classe qui était assez appréciée des joueurs PVM. En 3 joueurs parce que ça permettait d'avoir un tank dans son équipe qui fasse un petit peu plus de dégâts, mais aussi des joueurs PVP qui voyaient là une manière d'avoir pas mal de tankiness et de garder un moyen de faire des dégâts sur le long terme. Donc ça a un perso qui était très apprécié aussi en PVP 1v1, vous comprendrez pourquoi. Alors du coup, qu'est-ce qui a été fait avec justement cette nouvelle, cette refonte? Eh bien en fait, le côté off tank qui a été gardé. Ça, c'était le truc qui pouvait un peu donner de l'identité à Luginac, le côté off tank. Ils l'ont gardé. Il y a toujours de très bons passifs pour pouvoir avoir une bonne régénération, par exemple, d'armure, de résistance, etc. Avec la branche terre comme c'était avant et avec autant de bons passifs. Mais disons qu'ils ont essayé d'ajouter un petit peu plus de dégâts en plus pour pouvoir se démarquer un peu, parce que bon, c'est ça qui faisait un peu défaut. Et on trouve énormément de bons passifs qui va généralement se compléter ou pas avec le fait de jouer Ujigaru. En fait, maintenant, le nouveau système d'Ujigaru fait que on peut vraiment maintenant parler d'une manière de jouer avec Lugigaru ou sans Lugigaru. Et ça, c'est plutôt bien. Maintenant, il y a vraiment de bons passifs qui vont soit vous permettre, par exemple, d'avoir Lugigaru très rapidement pour profiter vite des passifs et de la régénération de points de Wafu. Comme ça, vous pouvez pas vous en priver durant votre partie avec des sorts comme Bastonnade qui ont besoin de beaucoup de points de Wafu pour être vraiment efficaces. Mais vous pouvez aussi jouer d'une manière un peu différente où vous générez justement très très vite de la rage au maximum pour pouvoir conserver votre Ujigaru assez longtemps et être assez friand en points de Wafu, mais garder un temps d'Ujigaru beaucoup plus longtemps pour un bonus de 50% de dégâts non négligeable hein, quand même, mais plus long, un peu comme le cœur de feu de l'Upermage. En fait, c'est un peu un gameplay un peu à l'Upermage, c'est-à-dire soit vous jouez avec très peu de points de rage pour pouvoir justement passer un Ujigaru très rapidement et régénérer vos points de Wafu, donc en mode dégâts de burst, soit garder l'Ujigaru plus longtemps avec une jauge de rage beaucoup plus élevée et qu'on doit conserver plus longtemps, un peu comme le cœur de feu de l'Upermage. Donc c'est un peu piqué de l'Upermage, mais finalement sur cette classe ça marche plutôt bien parce qu'avec des passifs à côté qui vont soit booster les résistances et les dégâts, c'est quali. En plus de ça, le côté un peu plus vol de vie qui a été piqué à la SRAM, ben, il sert maintenant un peu plus à autre chose. Notamment, il y a beaucoup de sorts maintenant qui s'activent dans la branche haut, qui ont d'une part de la vol de vie, d'autre part qui lui permettent justement de tirer à profit ce vol de vie. Lorsque, par exemple, ses points de vie sont à plus de 90%, il y a des effets supplémentaires. Ça peut être des dégâts comme de l'incurable, ce qui est quand même oufissime, avec justement des ratios de dégâts par PA qui sont assez colossales et qui sont plutôt le bienvenu. On a toujours une branche terre qui sert un peu plus à la tankiness, évidemment. Mais aussi un peu en termes de dégâts, puisqu'il y a aussi la bastonnade qui est très efficace, je trouve, hors Ujigaru, et qui va permettre de faire pas mal de dégâts, n'empêche, avec ce sort-là, puisque c'est un sort de préparation, un peu comme le criblage du Kra. Et la voix R, elle est beaucoup mieux, je trouve, parce que elle va vraiment faire des micro-placements, attirer, se déplacer, et etc. Et notamment un sort qui va vous permettre de faire extrêmement plus de dégâts si il n'y a pas de déplacement qui est opéré, ou si le personnage est déjà en mêlée. Donc toujours un peu plus de dégâts, ça fait plaisir. On a toujours le retour aussi du poison sur les deux derniers sorts de la branche R, mais le côté poison il a été beaucoup mieux, je trouve, affecté, parce qu'il y a aussi maintenant des passifs qui vont affecter les dégâts indirects et qui va vous permettre voilà, de vraiment tirer à profit du poison, notamment avec un passif qui va vous permettre d'appliquer du poison lorsque vous mettez tracker sur votre cible. Et même le fonctionnement du tracker il est un peu différent, c'est-à-dire que maintenant vous ne gagnez pas votre rage
votre gagne votre HQ au début de votre tour si vous avez tapé votre cible traquée au tour précédent. Mais vous avez toujours un petit bonus avec la traque et qui est intéressant. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Bon, c'est très axé DPT mêlée, un peu off-tank et un peu poison. Mais je trouve que ça fait... Et avec beaucoup de mécaniques qui sont piquées à droite à gauche. Mais je trouve que ça fait extrêmement bien le café. Je m'attendais pas à grand chose. Il n'y a pas non plus grand chose qui a été changé. C'est beaucoup plus de du changement pour améliorer ce qu'il y avait déjà comme base avec l'Ouginac. Et je trouve que c'est plutôt correct en termes de refonte. C'est pas non plus un énorme banger, mais c'est très correct. Et en tout cas, ça fait plaisir aux joueurs Ouginac. Même si, bon, il y en a toujours un dans le Discord là qui va dire « Non, j'aime pas le nouvel Ouginac !» Ah, non. On va parler du steamer maintenant. Ah, bah bon, pas content, il faut y aller. Alors, le steamer, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec le steamer? Alors, moi j'étais étonné, comme vous, il y a quelques mois, quand on nous a dit « Oh bah vous allez avoir une refonte du steamer » 2 ans à peine après la première refonte qui était une catastrophe. Imaginez un peu une tondeuse. La tondeuse avec le moteur noyé, toute pourrie, avec les lames de tonte qui sont déglinguées, rouillées et pas entretenues. Vous mettez 15 heures à tirer sur le cordon comme une malade pour pouvoir faire démarrer votre tondeuse pour finalement un résultat de tonte médiocre. Et ben le steamer c'est un peu ça. Ça demande beaucoup de préparation et de tours de préparation en combat pour rendre le steamer un petit peu viable, et encore le résultat est pas si ouf que ça. La première chose qui faisait que la première refonte du steamer est une catastrophe, c'est le fonctionnement même de ses ponts de Wafu. En fait le steamer, la première version du steamer, le problème c'est que vous perdez vos points de Wakfu, tous vos points de Wakfu, au début du combat, et vous deviez les regagner soit en stasifiant la cible, soit en passant votre tour, vous gagnez un point de Wakfu. Ce qui fait que pendant le tour 1, vous étiez inintéressant, parce que les points de Wakfu, ça servait à plein de choses, ça servait pour le côté tank, ça servait pour le côté rocks, ça servait à plein de trucs, et donc du coup vous amputez littéralement des points de Wakfu dans le tour 1 pour vous préparer, et soit il fallait passer juste par des autres classes qui vous donnent des points de Wakfu, notamment avec le Fekka, avec certains sublimations qui sont pas terribles et qui sont un peu durs à trouver maintenant, ainsi qu'un passif, tu vois, mais ça vous ampute d'un truc en plus, donc finalement vous gagnez des points de Wafu, mais vous perdez un truc à côté, ce qui est très chiant. En plus de ça, le temps de préparation, il y avait des bonus aussi qui vous permettaient aussi d'avoir un petit peu de dégâts, de portée et tout, sauf que le temps que mettaient les bonus à arriver était très long, donc en donjon c'était inintéressant, et en plus de ça, les bonus étaient... vu le temps qu'on mettait à les préparer, c'était... inintéressant, c'était pas assez élevé, et du coup on avait mis beaucoup de temps à préparer le steamer pour finalement un résultat pas si ouf que ça. Et troisièmement, sauf en brèche, hein, en brèche ils adorent quand des trucs comme ça, ils aiment bien, donc en brèche ça allait encore. Et troisièmement, le mécanique de rail du steamer, le problème c'était aussi que vous deviez mettre la moitié de vos points d'action en rail pour avoir un réseau de rail correct, en fait, ce qui est un peu dommage, tu vois. Et aussi, il n'y avait plus de branche stasis, et c'était cantonné à un sort qui s'appelle le stasification, qui faisait que vous pouviez taper stasis, mais ça n'avait pas d'intérêt. Il n'y avait plus le stimérateur comme à l'époque, qui boostait vos dégâts comme à l'époque, et ça, c'est plutôt chiant. Donc en fait, c'était un perso qui mettait énormément de temps à ce setup, pour des résultats plutôt médiocres. Donc on s'est dit, en fait, quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, ah, il y a moyen de rendre le steamer un peu plus intéressant. Ça, c'est plutôt cool. Je suis déçu. Mais bon, on va commencer par parler des points positifs. Premièrement, les sorts élémentaires, maintenant, ils ont une vraie identité. Les sorts feu, ils sont tous mono-cibles, mais peut être zone si on passe par la tourelle. Et vous allez voir que plus tard que la tourelle a son importance pour pas mal de mécaniques du steamer, de ce nouveau steamer, en bien comme en mal. Donc notamment le fait d'avoir des effets supplémentaires avec la branche feu sur la tourelle pour faire des dégâts zone.
La branche eau a un côté, voilà, carte de fidélité, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque deux sorts eau utilisés, le troisième sort eau que vous allez faire va avoir un effet supplémentaire. Donc ça peut être des PA remboursés, des retraits de critiques et de parades, plus de portée, ça peut être aussi quoi d'autre, ça peut être du poison aussi, ce qui est intéressant. Et la branche terre, bon, c'est toujours cantonné au tanking avec bah, sûr du retrait PM, du placement un peu à l'attirance, avec toujours le sort choc mono cible qui a maintenant un sort un effet un peu plus intéressant qui va faire plus de dégâts sur une cible qui a tous ses points de vie. On a aussi toujours bien sûr de l'armure, etc. Et à compléter avec un passé, ça vous permet aussi de générer des blocs, et ça c'est plutôt cool que tous les sorts terre permettent de générer un bloc, ça c'est cool. Deuxième point aussi, on a enfin le retour du Stemerator, un bon Stemerator, donc un bon bonus de dégâts qui va vous permettre d'avoir 50% de dégâts affligés et en plus d'activer le stasification direct sur vos cibles. Donc vous pourrez taper stasis sur vos cibles et en plus d'avoir un bonus de 50%. Le mode canonnier permet d'avoir un petit peu plus aussi d'options qu'à l'époque, parce que maintenant il vous permet aussi, voilà, de profiter de dégâts indirects, parce que le problème du canonnier c'est qu'il y a aussi beaucoup de contraintes pour peu de résultats. Donc avoir un petit bonus de 50% dommages affligés, ça fait plaisir. En plus de ça, le nouveau système du steamer a été qui fait que vous perdiez tous vos points d'info a été modifié. Maintenant vous ne perdez pas tous vos points d'info, mais vous perdez la moitié de vos points d'info, et les points d'info qui a été amputé de votre jauge de points d'info est transmis à une nouvelle jauge qui s'appelle les points de stasis. Les points de stasis, en gros, c'est une jauge qui fonctionne exactement de la même manière que les points de la foule, sauf que les points de stasis ont plutôt fonctionné pour des sorts de type agressif et des dégâts, et les points de la foule vont plus servir pour des sorts de tanking, de placement, bref, de support. Et en termes de génération de points à vous, c'est assez simple, et ça va tourner autour de la tourelle qui va vous permettre de générer assez efficacement, je trouve quand même, vos points de stasis sur le court terme. Sur le court terme, je précise sur le court terme parce qu'on va voir qu'après au niveau des défauts, la tourelle n'en est pas exempte. Et aussi, ce qui vient aussi avec ce nouveau steamer, c'est évidemment ce nouveau système de rails. Beaucoup moins lâche, qui vous permet de placer facilement des rails dès votre tour 1, et ça en vrai ça fait plaisir. Bon, on va parler des défauts. Bon, en vrai les défauts il y en a deux, mais bon, si moi j'ai soufflé au début de la partie, c'est que bon, c'est des défauts grosses comme une maison quoi. Le premier défaut c'est la tourelle. On est trop dépendant de la tourelle pour régénérer nos points de stasis, nos points de wakfu et faire quelques petits dégâts zone avec la branche feu. Mais le problème c'est que la tourelle elle est beaucoup trop fragile, c'est une chips. Donc en fait votre tourelle va vous permettre de générer vos points stasis, ce qui est un peu primordial pour faire un peu de dégâts avec votre steamer, et donc par conséquent aussi en générant vos points stasis peut aussi vous permettre de générer vos points de wakfu. Le problème c'est que elle est comme c'est une invocation, plus vous montez de stasis en donjon, plus les invocations sont fragiles, et donc du coup il se retrouve que la tourelle est une chips. Donc du coup, si vous voulez profiter des effets zone de votre tourelle avec la branche feu, et ben le problème c'est que vous allez en profiter finalement que un tour, parce qu'elle va se faire dépoper à la vitesse de l'éclair. Donc jouer zone distance c'est un peu, avec la branche feu c'est un peu mort. Et aussi les dégâts indirects, ça nécessite un placement particulier qui nécessite aussi de jouer un petit peu plus la tourelle proche de vos ennemis, ce qui fait que ce qui aurait pu d'ailleurs justifier que le bonus de 50% de canonnier soit intéressant. Mais là aussi c'est mort, parce qu'en fait les dégâts indirects vous allez en profiter que pendant un tour, et après bon bah voilà, votre tourelle va dépoper à la vitesse de l'éclair, et finalement vous allez juste placer votre tourelle bien en distance des ennemis et profiter que de l'effet feu de la tourelle pour générer tranquillement des points stasis. Mais du coup vous vous amputez des potentiels dégâts indirects qu'elle peut vous apporter, et d'autre part des effets secondaires de la branche feu qui pourraient vous permettre de jouer zone. Donc en fait
Vous faites que jouer mono-cible avec la branche feu, alors qu'il y a tellement d'outils intéressants qui peuvent être faits avec la branche, avec le côté zone de la branche feu. Vous générez peu de dégâts indirects. Bref, c'est très très triste. Et si vous voulez un peu booster les résistances de votre tourelle, vous vous amputez de la portée. Donc pour jouer distance avec la tourelle, c'est compliqué. Donc du coup, très mauvais point pour ce côté-là. Deuxième point négatif, c'est au niveau des passifs. Il y a trop peu de passifs qui donnent des dégâts. Et le nombre de passifs qui donnent des dégâts, en fait, sont moisis. Vraiment moisis, ça donne très peu de dégâts. On a un passif qui booste un peu les dégâts avec le surplus de points stasis. Mais avec le temps que ça nous met à setup et le bonus que ça donne, c'est ridicule. On a un autre passif qui va nous permettre de transformer un peu notre sort Stimirator pour faire un plus un sort de burst plutôt qu'un sort de bonus à long terme. On a un passif qui nous permet de booster un peu le canonnier avec des vols de vie en indirect et en échange de notre régénération de points fou. On n'a pas grand chose quoi. Et même des passifs qui auraient pu être intéressants en termes de DPT, comme la versatilité qui nous propose, comme à l'époque de la surpression et la surtension de machin chose de l'époque, c'est-à-dire avoir un effet différent si vous avez des persos en mêlée ou en zone de vous, il est un peu raté. Parce que, en fait, autant en mêlée, avoir de la résistance, du tacle, etc., je dis pourquoi pas pour le côté tank. Mais par contre, avoir ce passif-là, avoir une baisse de 50% de résist pour juste de l'esquive et de la portée, alors qu'au de la portée, on en a déjà pas mal avec le mode canonnier, je trouve ça criminel. Ils auraient pu mettre littéralement des bonus de dégâts distance dessus, ça aurait été tellement mieux. Et finalement, on a très peu. Le reste des passifs, ça va être soit des passifs pour votre rail, des passifs pour votre tourelle qui, de toute manière, va mourir à la vitesse de l'éclair, des passifs de support, parce qu'il en faut en vrai, la branche support est plutôt correcte, soyons honnêtes avec le steamer. Et le reste du temps, c'est ces trucs-là où il y a peu de pêche sur les passifs qui donnent des dégâts en fait. Et là, on pourrait me dire, oui, mais tu comprends, ça contrebalance avec le fait que le stimulateur donne littéralement 50% de dégâts supplémentaires, plus le fait qu'il attaque sur le meilleur élément, avec en plus sur l'élément le plus faible grâce aux effets de stasifier. Je suis pas d'accord parce que quand t'as le Xelor en liberté, avec qui a littéralement tout un tas de sorts comme le vol de temps et tout en actif, plus des passifs de dégâts juste colossaux, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas un peu ce même type de passif un peu plus pour donner un petit peu plus de peps au steamer qui en aurait vachement besoin, surtout qu'il est très dépendant de sa tourelle qui est encore une fois une chip. Je m'en plains beaucoup de la tourelle, mais c'est le principal problème du nouveau steamer. Donc en vrai, le nouveau steamer, c'est vrai que d'accord, c'est pas si mal, c'est mieux qu'avant, mais ça manque quand même d'un truc, c'est pas au point, c'est pas optimisé. C'est pas un remplaçant distance viable par rapport au Xelor. Et c'est dommage. Donc du coup le Xelor va toujours rester DPT, le seul DPT distance du jeu être viable. Et le steamer pour l'instant, même s'il y a du mieux, c'est pas parfait. Et c'est dommage. Parce qu'en plus de ça, ils ont fait un nouveau visuel pour le steamer qui est plutôt cool. Et c'est triste, c'est triste. Après, je suis peut-être mauvaise langue, étant donné qu'il est sorti que ce mois-ci, cette refonte, peut-être que durant l'année 2023, on va avoir des équilibrages qui fait que la classe va être un petit peu plus jouable. En tout cas, je le souhaite, parce que ça faisait beaucoup de mal de voir une telle classe charcutée dans sa première refonte. Là, il y a du mieux, mais il y a beaucoup trop de défauts pour l'instant pour que le steamer soit viable, selon moi. J'espère que ça va être réglé. Parce que vraiment, c'est pas possible. Il y a du bon, mais c'est gâché par des trucs un peu dommages, quoi. Alors, oui, c'est vrai, terminer sur des points négatifs pour une vidéo de la Saint-Sylvestre, ça la fout un peu mal. Mais
vous en rassurez-vous, en vrai, au fond du cocolo, je suis confiant pour l'année 2023. On va avoir, je suis sûr, plein de nouvelles features intéressantes sur le jeu, notamment le monocompte qui devrait bientôt arriver d'ici la fin de l'année 2023. Mais surtout, je pense que ça va être aussi une année très intéressante en termes de refonte, parce que même si le programme de refonte qui a été prévu en 2019 s'est terminé avec Los Amodas en début d'année 2022, c'est pas pour autant qu'on est à l'abri de refontes surprises qu'on a eu comme on a eu avec Luginac et le Steamer, et surtout que des noms sont sortis en termes de classes qui pourraient être fondues ou qui pourraient être susceptibles d'être fondues. On a par exemple Plupermage qui a des mécaniques un peu vieillissantes et qui est un peu moins performante que d'autres classes actuellement. On a aussi Lika Flip aussi qui est revenu parce que bon, là aussi la classe commence à être très vieillissante et même si elle est très polyvalente, sa polyvalence c'est au détriment de spécifications qui fait qu'elle peut être intéressante, vraiment très cool à jouer. On a aussi le SRAM aussi qui a été mentionné. Parce que justement le concept du point de contrôle risque de disparaître, hein, forcément la SRAM risque d'être impactée, et c'est bien d'avoir une refonte sur la SRAM pour régler ce problème et peut-être remettre un peu au goût du jour les pièges du SRAM. Même si, attention, vous n'avez pas intérêt à faire du caca avec la SRAM parce que sinon je vais être vénère, hein, attention, c'est ma classe préférée, vous faites gaffe, hein. Attention! Bref, l'année 2023, je pense qu'elle va réserver beaucoup de surprises et j'ai hâte de découvrir ça l'année prochaine. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, commenter, mettre un petit pouce pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous mes différents réseaux, que ce soit le Twitter, le Discord pour discuter d'un tas de trucs, notamment de Wakfu, évidemment. Mais aussi, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je vous risque de live courant de l'année de cette année 2023, et dès le mois prochain, même en janvier, je pense que fin janvier, mi-janvier, je reprendrai les streams. Donc n'hésitez pas à suivre si la chaîne Twitch, si ce n'est pas déjà fait, pour être notifié des prochains lives qui devraient être faits durant l'année 2023. Sur ce, passez un très bon réveillon des fêtes de l'année 2023, de machin chose, bidule truc chouette. N'abusez pas trop du foie gras. Buvez modérément et si vous buvez trop, ne prenez pas la voiture. Et sur ce, à la nappe prochaine. Allez, bisous bisous. Oh merde, j'ai vraiment fait cette blague là de l'année prochaine, merde.